Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti pour la suite de la carrière avec notre cher, notre grand, notre magnifique Zachinho qui continue à dévaler les pistes, hein, à continuer à skier, qui essaye de se faire sa place hein, ici dans cette Europe Cup qui est très compliquée pour lui. Il n'a pas encore vraiment de niveau, le niveau pour se maintenir sûrement. Le niveau pour aller un petit peu plus haut, ça va être compliqué. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'objectif de cette saison, ce sera de prendre au moins 11 petits dollars qui nous permettraient d'aller chercher ce petit entraînement en interval training. Peut-être un petit peu plus. Je pense que c'est plus intéressant d'aller prendre de la puissance hein, pour aller plus vite sur les skis. Mais ce sera l'objectif. Hein. Il nous reste du temps. Aujourd'hui, on est du côté de la Biélorussie, à Rohobytchi, puisqu'on va faire tout simplement un sprint, une mass start qu'on ne va sûrement pas faire. Et un individual qui sera très important, c'est que c'est là qu'on peut faire vraiment la différence. L'individual, c'est la course de Zachinho, il doit prendre son temps, il ne doit pas faire d'erreur pour espérer terminer parmi les premiers, hein, dans un petit top 10 qui pourrait rapporter des points. Mais écoutez, on ne va pas perdre de temps, on va se chauffer, on va se rappeler la piste avec le sprint, en espérant ne pas faire comme hier. Hier, ça a été vite, hein. Hier on s'est loupé directement, on va partir assez tôt. Hier, on s'est loupé, on a fait 3 erreurs, c'est beaucoup. Comme dit, ça faisait un petit temps que j'avais pas joué, je suis en pleine reprise, les gars, il va falloir que je retrouve mes automatismes. Et là, direct, oh, tu sais quoi, je vais pousser direct, là, c'est le sprint, hop, 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 on pousse. Et tout de suite, on a une petite descente intéressante. Là, il faut que je retrouve un petit peu mes repères, les gars, les bons mécanismes du jeu. Il faut que je check surtout... Voilà, la vitesse, pour voir quand est-ce que je dois mettre en position toucheuse, quand est-ce que je dois reprendre sur les skis. Il y a beaucoup de choses à reprendre, et surtout le tir. On a été mauvais au tir. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, ok, bon, je comprends pourquoi j'étais nul à Rohobytchi, les gars. Ah, je comprends pourquoi j'étais nul à Rohobytchi. Quand il y a des murs pareils, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est un enfer. C'est un enfer, les gars. Et ça, 5 fois, ça? Ça, 5 fois pendant... Pendant l'individuel, bah je vais mourir, hein, je vous le dis, je vais décéder. J'entends quelqu'un là dans mes oreilles, j'entends quelqu'un qui va arriver dans mon dos là. Laisse-moi tranquille frérot, laisse-moi tranquille, allez, faut prendre de la vitesse. Hop, ouais, on va reprendre de la vitesse ici. Ah, je me souviens de la piste. On l'a fait assez souvent cette piste là, puisqu'ici il va falloir reprendre, hop. Et là je crois qu'on aura de nouveau une petite descente, puis une remontée avant le pas de tir, c'est exactement ça. Hop, 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 hop. Et là, hop, on pousse pour monter un peu les BPM. Et après ce virage, on aura... Enfin, je peux peut-être pousser encore un petit peu. Ah, 187. J'ai peur que ça monte trop. Non, on est pas mal, je pense. On est pas mal en BPM. Allez, on va essayer de se chauffer pour ce premier tir. Allez, mon Zachinho, s'il te plaît. On prend un peu plus notre temps et on tire bien. Et ce sera cool. Pas trop mal ce tir, les gars. Il peut nous mettre en confiance. Il peut nous mettre en confiance. C'était pas extrêmement rapide, mais c'était un rythme tout à fait correct. Et surtout, pas d'erreur. Surtout, pas d'erreur. Tiens, on va remettre une petite couche ici. Pas trop non plus. Bon, on va dire, waouh, je suis premier, les gars. Mais c'est vrai que je suis parti 7ème. C'est vrai que je suis parti 7ème. Donc bon, pas de quoi être complètement incroyablement surpris. Je suis parti 7ème, les gars. Je suis parti 7ème. Mais écoutez, peut-être qu'on peut faire la poursuite, hein, si je ne fais pas d'erreur sur le tir debout, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer, donc... Ah, j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Là, j'ai déjà plus que 7 dixièmes d'avance. On sait que sur les skis, c'est un enfer, c'est un calvaire. Et là, je pense que je vais déjà commencer à utiliser un peu de sprint, hein, vu que là, on n'aura plus qu'un tour derrière. Alors, je vais, hop, ici. Là, je te mets un peu de sprint. Pas trop. Point trop, n'en faut. Hop, j'en remets un tout petit peu. Non, même pas, en vrai, j'ai pas trop besoin. Hop, 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 on pousse. Et là, j'ai perdu énormément de temps, évidemment, puisque... Je suis une merde sur les skis, voilà. Si vous ne le saviez pas encore, bienvenue. Bienvenue chez Zachinho, le Brésilien qui n'avait jamais vu de neige avant de rentrer dans cette compétition. Hein, vraiment, j'ai l'impression qu'il ne la voit pas très souvent la neige, hein, au vu de sa nullité sur les skis. Mais écoutez, c'est comme ça. Tiens, on pousse un peu ici. Hop, on prend de la vitesse. Et là, hop. Et là, on pousse. Et là, on pousse. Et là, on pousse. On monte les BPM. On monte les BPM. On monte les BPM. À 193, ça me paraît bien. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je crois qu'il est fort, le Canadien. Je crois qu'il est fort, le Canadien. D'ailleurs, il m'a mis 8 secondes. L'enflure, il est plutôt bon. Là, ça a mis du temps un peu à baisser les BPM, là, non? Bon, ça devrait aller. On devrait être pas trop mal. Allez, le tir debout. On se focus. Pas d'erreur et on sera bien. Allez.
Ouah, comment ça bouge? Wesh! C'est un enfer. Ouais, il était lent ce tir, j'ai pas fait d'erreur, hein. J'ai voulu me... Ah, j'ai fait exprès, les gars, d'être tranquille. Attendez, j'ai quand même... Ouais, j'ai mis trop de temps à tirer, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah, je suis deuxième à 6 secondes, une déjà de... Bah, c'est Onkenen. Ouais, mais Onkenen, vas-y, va te faire foutre. Ouais, voilà, va te faire foutre, Onkenen. C'est le meilleur du monde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hop, 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 hop. Reste derrière moi, toi. Reste derrière moi, viens pas me niquer ma course. Tant qu'il est là pour lui, lui, il veut me niquer ma course, viens. Il veut me niquer ma course. Bon, écoute, on n'a pas fait d'erreur. Par contre, voilà, j'en ai marre de me faire humilier, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites au moins semblant que je suis pas si mauvais que ça sur les skis. Au moins semblant. Mais écoutez, on n'a pas fait d'erreur. Pas fait d'erreur, c'est peut-être quand même l'occasion. Bah, je pense que je vais même pas... Vu la piste de merde, les gars, je pense que je vais même pas... je peux mettre du sprint. Hop, 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 j'arrête. Hop, on repousse ici. Et là, je remets du sprint. Oh, il y a quelqu'un qui avance plus devant. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est à ça que ça ressemble un Zaquinho, les gars. C'est vraiment à ça que ça ressemble un Zaquinho qui n'avance pas dans les montées. Bon, on va pas faire pareil sur l'individuel, hein, évidemment. L'individuel, ce sera pas la même, les gars. Individuel, faudra être beaucoup plus chill. Hein. Il y a deux tours supplémentaires. Mais écoutez, c'est quand même plutôt encourageant ce qu'on a produit ici. Pas d'erreur. Pas d'erreur, les gars. Mais est-ce que ça suffira quand même pour terminer parmi les 21 premiers? J'ose espérer que oui. Hein. J'ai envie de te dire, j'espère que ça suffira. Ça suffit pas, bah, j'ai le seum, tout simplement. Voilà, je te le dis. Hein. Si ça suffit pas, j'ai le seum. On va mettre le reste du sprint ici. Hop. Puis derrière, j'ai pas le droit. Si, voilà, hop, on pousse. Ah, on a bien rattrapé sur la fin. Et on termine à 11 secondes de Onkanen. C'est pas si mal. Bon, il a fait combien d'erreurs? Il a fait 12 erreurs, c'est ça? Je pense que c'est ça. Écoutez, on va voir. On est deuxième pour l'instant. Bon, top 10, c'est impossible. Hein. Je pense que c'est clairement impossible. Il faudrait vraiment qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc le top 10, c'est dead. Alors, on est déjà dixième, voilà. Après, je crois que jusqu'à top 12, on pouvait... Oh. On a fait top 10, on prend 7$, les gars. Oh, let's go, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du coup, du tout. Il y a quoi? Il y a ouais, les Suisses. Ça va, les Suisses? On vous dérange pas, les Suisses? 3 Suisses premiers. On a Bukatler premier devant Herzig, devant Brack. Les Suisses, ils se sont dit... la Biélorussie, en fait, c'est la Russie. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Emerson qui a fait 7ème. Emerson qui est très chaud avec une erreur. Ouais, écoutez, on n'est pas si mal. Hein. Du coup, on va faire la poursuite et on a terminé 10ème. Bah, je m'attendais pas à ça, les gars. Honnêtement, très très bonne surprise. J'ai pris 7$. Il me manque plus que quelques petits dollars là. Si à la poursuite, on arrive à être pas trop dégueu, ça va être en plus l'entraînement pour le. Pour tout simplement le. Ah non, c'est la Mastart. Oh, je suis dévasté, c'est la Mastart. Ah les gars, c'est la Mastart, je suis dévasté, je croyais que c'était une poursuite. Mais non, c'est une Mastart, je ne la fais pas. C'est dégueulasse. C'est extrêmement dégueulasse, les gars. Ah, vous pouvez le dire. Hein. Vous pouvez le dire, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, du coup, ouais, je croyais que j'allais pouvoir m'entraîner ici, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au total score, on est où, du coup? On est 26e. Ah, mais on est si loin. Regarde le gap qu'il y a avec le 21e. Il a 190 points, j'en ai 129. Mon top 10, là, il va pas... Bon, écoutez, au moins, il ne nous manque plus que 4 dollars. 4 petits dollars. 4 petits dollars, ça peut jouer ici. Allez, c'est l'individuel, les gars. C'est l'individuel, c'est parti. C'est là qu'on peut chercher des grosses places. On le sait, on part deuxième. Oh, j'aime pas partir si tôt. Deuxième, c'est de la merde. C'est de la merde, partir aussitôt. On n'aura aucun temps. Aucun temps, bah on sait de toute façon. Est-ce que j'ai besoin des temps? Est-ce que j'ai besoin des temps? Évidemment que non, j'ai pas besoin des temps, les gars. Je dois juste pas faire d'erreur. Prendre un peu plus mon temps pour tirer, mais surtout ne pas faire d'erreur. Et économiser l'endurance au maximum. Hein. Au maximum, parce que là, le double mur supra dur, on doit le faire... ah ben, on doit le monter, les gars, on doit le monter 5 fois. 5 fois, hop, je pousse un peu ici, pas trop. Là, je vais essayer de vraiment être... Là, je suis obligé un peu de pousser, pas trop, hop, hop. Je mets des tout petits coups, je mets des tout petits coups. Sur les premiers tours, on est quand même plus rapide. Donc, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, regardez ce qui arrive. Ça, il faut le monter 5 fois. Hein. Faut vraiment... faut être des malades, je vous le dis. Faut être complètement malade. Non, mais j'avance tellement pas ici, les gars. Comment voulez-vous? Non, mais comment voulez-vous faire? C'est pas possible, en fait. Hein. Bah, là, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Sinon, j'avance pas, les gars. Sinon, on n'avance plus. Allez, c'est pas trop mal ce que t'as produit, mon petit Zaquinho. T'es à 1 seconde. Waouh, il est à seulement 1 seconde de Kaufmann. C'est légendaire. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien ce que tu me fais. Ah, il y a Gustafsson qui est parti. On a perdu qu'une seconde, les gars, c'est pas si mal, non? Une seconde en vrai. En vrai, correct. Hein. Allez, on reprend les skis ici, on va se concentrer parce que là, il y a le premier tir. C'est bien de déconner, mais il y a le premier tir qui arrive. Premier tir, on va moins rigoler. On va moins rigoler. Allez, là, il faut pousser. Pousser, faut pousser. Pourquoi les BPM, ils montent pas? Je ne sais pas.
Allez, c'est bon, ça suffit. Oula, on est peut-être un peu en BPM là. Là, on est peut-être un petit peu en BPM là. Là, tu vois, même si on va avoir un pas de tir assez loin. Oula, ouais, je vais arriver avec trop de BPM là. Je fais exprès de perdre du temps. Ok, là, ça devrait être bien. Ouais, j'ai perdu un petit peu de temps là, mais c'est pour arriver bien en termes de BPM. Allez, tu prends un peu plus ton temps, Zach, et tu ne fais pas d'erreur. Ok, pas mal. En plus, c'était pas si lent que ça, tu vois. C'était genre tranquille. Kaufmann, il a pas fait d'erreur non plus. Hein. Gustafsson, il en fait une. Allez, tiens dans ta gueule. Ha, il en fait deux même. Oh, Gustafsson. Oh, le loser. Oh, le loser. Et je suis qu'à 1 seconde 4. Honnêtement, pas mal. Pas mal, pas mal. Plutôt satisfait des débuts qu'on est en train de faire là. Plutôt satisfait, les gars. Plutôt satisfait. Un premier tour intéressant. Premier tour intéressant. Ouais, on va voir un petit peu la suite maintenant. On va voir un petit peu la suite. Allez, on pousse un tout petit peu ici. Pas trop. Voilà, ici c'est pas trop raide, là c'est déjà un peu plus raide, donc il faut que je pousse. Pas trop, voilà, comme ça suffit. Yegloom qui fait des erreurs, c'est très bien, fait 1000 erreurs frérot, il en a fait 3. 3, il est foutu le mec, il est foutu. Le mec est foutu les gars. Allez là je suis obligé de pousser un peu, hop, on reprend, mais je repousse un peu. Ah c'est dur, hein, c'est dur, non mais 5 fois ça, mais je peux pas monter 5 fois ça les gars. Je peux pas monter 5 fois ça, c'est physiquement pas possible, c'est pas humain. C'est pas humain, là, j'ai déjà perdu 3 secondes. J'ai déjà perdu 3 secondes, c'est pour ça qu'il va falloir faire des erreurs à mon petit Kaufmann, là. Fais des petites erreurs, je t'en prie, sois nul à chier, hein. tu seras gentil. Tu seras gentil, Kopecky, qui a pas fait d'erreur. Hein, Kopecky, il faut faire des erreurs, mon chaton. Parce que si toi, tu fais pas d'erreur, tu vas me manger. Hein. Kopecky, très très bon, c'est lui qui a fini premier hein, des juniors l'année dernière. Donc, ouais. Allez, on pousse sur les skis ici, je suis obligé pour monter mes petits BPM, hop, ici j'arrête tranquillement, voilà, comme ça redescend, le temps qu'on arrive sur le pas de tir, même si je vais arriver peut-être, non, je vais dire un peu haut, pas du tout, c'est tir debout là, hein. Tir debout, attention Zach, ça va bouger, allez, on se concentre, et on tire debout, bon, ça bouge, wesh, non mais... Le fusil, pourquoi il fait comme... Non, mais le fusil, c'est trop grave. Le fusil, c'est trop grave. Je comprends pas, les gars. J'ai toujours pas compris ça. Si quelqu'un sait pourquoi, des fois, le fusil, il me fait des montées-descentes, le gars. Le fusil, il est genouné, les gars. Vraiment, quelqu'un possède mon fusil. C'est pas possible. Quel dommage, cette erreur de merguez. Quel dommage. Bon, allez, c'est pas grave. Une erreur, ça peut éventuellement encore être intéressant. Une erreur, ça peut encore être intéressant, même si ça pue la merde. J'aurais voulu ne pas en faire, maintenant... Ouais, c'est le tir debout, hein. Le tir debout, vraiment, comment ça bouge de fou, les gars. Comment ça bouge de fou. Et c'était pas le dernier tir, hein. C'est ça le pire. Hein. Ce n'était pas le dernier tir. Bon, pour l'instant, je suis troisième, mais c'est chaud. C'est chaud. Allez, là, du coup, et voilà, regardez comment on me... Là, c'est Kopecky qui vient de me passer, comment on se fout de ma gueule de mettre un petit peu de sprint, juste hop là, voilà, histoire de mettre... Ouais, c'est pas mal, le petit coup de sprint que j'ai mis, comme ça, je peux pousser jusqu'au bout. Allez, hop, voilà. Ouais, tu vois, c'est pas si mal. C'est pas si mal, le petit coup de sprint, il m'a mis bien. Allez, hop, on se met en position touchous pour cette descente. Ça va vite quand même, Robichi. Je trouve que ça va vite, hein. Parce que là, c'est descente. On va redescendre un petit coup, on va monter, puis ce sera déjà le troisième tir. Donc ça va assez vite quand même. Maintenant, faut plus faire d'erreur, Zach. Hein. Même si tu prends plus de temps, s'il te plaît, ne fais pas d'erreur. Hein. Ne fais pas d'erreur, mon chaton. Ce sera plutôt pas mal. Allez, on reprend à partir d'ici. Et là, je pousse. Allez, monte-moi les BPM. Voilà, ici, c'est très bien. Parfait. Faut juste pas qu'on m'ait changé. Ah, on va peut-être me changer de pas de tir, là. Ah, voilà, oui, on va me changer de pas de tir. Je suis baisé, les gars. Allez, j'ai fait exprès de ralentir de fou. J'ai perdu quelques secondes. Mais vaut mieux ça plutôt que d'avoir une carabine qui bouge dans tous les sens. Génial. Oh là 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 là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. 3 enfin, 2, oui, 3 erreurs au total. 2 ici. En plus, j'ai voulu prendre mon temps et j'ai quand même raté. Non, mais je suis nul. Ah, je suis nul, les gars. Je suis dévasté. C'est terrible. Je suis 4ème. Waouh, bien. Je suis 4ème sur 4. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. 4ème sur 4, les gars. Bon, bah, top 10, impossible. Hein. Malheureusement, les gars. Ah, il n'y a plus de suspense. Hein. Top 10, impossible. On va juste essayer de bien figurer maintenant. Top 10 impossible avec 3 erreurs. Hein. Avec 2 erreurs, je crois qu'on avait fait 16ème. Donc voilà, c'est pour vous dire. Voilà, j'ai peut-être un peu trop poussé là. Ouais.
Avec deux erreurs, on avait fait 16e. Donc là, avec trois erreurs, on va faire encore un dernier tir. Donc, avec trois erreurs, on va évidemment être dans le bas-fond du classement. Je suis dévasté, les gars. L'individuel, on sait que c'est les moments où Zaquinho doit être le plus performant. Hein. Un peu de sprint ici, hop. Et malheureusement, un petit peu de sprint encore. Pas trop, parce que je dois le monter deux fois encore. Hein. Je dois le monter deux fois encore, les gars. Ah, et ça picote. Hein. Ça picote, ça picote. Allez. Allez, allez, allez. Bah non, une fois, qu'est-ce que je raconte? Non, non, j'aurais plus qu'à le monter une fois. On a notre tir, dernier tour. Et c'est good. Alors, je vais le monter une fois encore, donc ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien, mais putain, fait chier, les gars. Fait chier que je sois nul. Hein. Alors, je vous le dis, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. Un peu surpris de notre 10e place sur le sprint, mais là, on n'a pas été bon sur le. Ouais, pas été bon sur le. Bah, sur l'individuel, hein. Vraiment. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Je vais pas monter mes BPM, là. Je vais utiliser du sprint. Ok, arrête, arrête, arrête. Arrête, 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 frérot. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ok, ça, on n'a pas de tir assez loin. Ça, c'est plutôt bénéfique au battement de cœur. Bon, on va essayer de pas faire d'erreur, les gars. Hein. Essayer de pas faire d'erreur, juste histoire d'eux, quoi. Même si, bon, on sait que c'est dead. Hein. Regardez-moi le physique, comment. Petite erreur. Attendez, mais elle était dedans. Oh, mais je suis pas fou. J'ai vu un impact dedans. Oh, les bâtards. Ils m'ont mis un truc. Ils ont mis un truc derrière. Tout ça pour que je fasse des erreurs encore. Moi, je suis troisième, les gars. C'est merveilleux, troisième. Ah, troisième, incroyable, Zaquinho est troisième. Quelle performance exceptionnelle il est en train de nous faire. Troisième position pour lui. Avec quatre erreurs. Ah, là, quatre erreurs. Quatre erreurs, quatre erreurs. C'est terrible. C'est terrible. Bon, allez, on va dire que c'est. Voilà, si c'est un petit peu grave, mais pas trop non plus. Pourquoi c'est pas trop grave? Parce que, comme dit, là, l'objectif, ça doit prendre encore 4$. On aura encore l'occasion de le prendre 4$, les gars. Il y aura les championnats du monde qui vont arriver. Il y aura deux, trois petits trucs comme ça. Mais bon. Mais bon, mais bon. On est quand même très déçus. Oh oui, non, là, ça va être chaud, là. Ah là, on va être à l'arrêt, les gars. Hop. Je pousse un petit peu. Hop, hop, hop. Alors, écoute, hein, je mets le reste. Hein. Voilà, hop. Hein. On a mis le reste. On a mis le reste quasiment. On leur a mis quand même la petite poule, là. Parce que je crois que c'est Kopecky et tout. Donc, c'est des mecs qui sont rapides sur les skis. C'est vrai que c'est comme ça. Non, mais par contre, t'es rapide sur les skis. Mais tu restes derrière moi. Tu restes derrière moi, frérot. S'il te plaît, tu respectes un petit peu là et tu restes derrière. Allez, on reprend tranquillement. Hop, on descend. Voilà, 4 erreurs. Je suis très déçu. 4 erreurs, c'est vraiment de la merde. 4 erreurs, les gars, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Bon, ma voix qui part en couille carrément, tellement c'est éclaté ce que j'ai produit. Alors, 4 erreurs, c'est vraiment éclaté. Hein. On va pas se mytho, allez me rester un tout petit peu ici. Ils arrivent en balle derrière, là, je les entends. Je sais pas de quel côté il va passer. Passer de aucun côté. Ok, bon, on peut skip tout résultat. On a été très nul. On va aller, je call 30, 38e. 38e avec 4 erreurs. Allez, je call 38e, les gars. Ah, c'est là que je vais pleurer parce que. Ouais, non, allez, ça redescend encore 24e. Ah, 24e, hein. Ah, c'est là que tu vois qu'il y a moyen, quoi, parce que je fais 4 erreurs. 4 erreurs, c'est quoi? C'est 1 minute 20. Si je fais pas d'erreur, je suis à 22 secondes. 22 secondes, 22 secondes, je suis deuxième. Enfin, troisième du coup, hein. Je suis troisième. Je suis troisième si je ne fais pas d'erreur. Mais bon, et si j'en fais deux par exemple, moins 40 secondes, je suis à 1 minute. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, je suis presque dans le top 10. Hein. C'est dommage les gars. C'est dommage, j'avais moyen de faire quelque chose, mais il va falloir que je retrouve une constance au tir les gars. Une petite constance au tir. Et du coup, bah, on va pouvoir terminer cet épisode. Hein. On va partir du côté du Danemark dans le prochain épisode pour aller. Je crois d'ailleurs que je ne l'ai jamais fait. Hein. Holmenkollen, je crois que j'ai pas fait, les gars, Holmenkollen. Je crois pas avoir fait. Hein. D'ailleurs, je dis Danemark, c'est Norvège, hein, évidemment. Évidemment, je dis n'importe quoi. Ne m'écoutez pas. On aura donc sprint, poursuite, individuelle, mass start. On ne fera pas la mass start. On espère faire un bon sprint pour participer à la poursuite et l'individuel. Un petit top 10 dans une de ces courses, histoire de prendre les petits points. Et tu vois, si je fais top 10 sur le sprint. Ah, maintenant je fais la poursuite, c'est vrai, merde. Bah, peut-être que je skip la poursuite, parce qu'en vrai, on s'en fout. Après, bon, c'est aussi l'occasion de prendre peut-être de l'argent. Alors, on réfléchira. De toute façon, on n'en est pas encore là. Nous, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça soutient énormément. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens!